Non, il fait nuit. Et j'ai oublié d'aller chercher mon bois. Il manque quelques touches ici, là, là et là. Oh non, faut que j'aille chercher mon bois. Oh dommage. Allez. Je me souviens qu'il y avait pas mal de bois là-bas. Allez, on va y aller. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est. Non, 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 non. Au secours, non. Non. Non, non, faut que je fuis. Faut que je rentre chez moi. Donc, comme vous avez dû le voir, ce zombie avancé, d'où le nom, Advanced Zombie, fait 2 blocs de haut et est aussi agressif que le zombie, voire plus. C'est pareil que le zombie, sauf qu'il ne craint pas le feu. Peut-être parce qu'il a déjà cramé avant, on ne le sait pas. Le zombie avancé a une petite particularité. En plus d'être un peu plus rapide que le zombie, voire beaucoup plus, il fait plus mal. Et quand il se prend des coups, quand il est blessé, il augmente un petit peu sa défense pour un court instant, sa résistance. Ce zombie avancé, vous pourrez le trouver la nuit, autant dans les caves, les grottes, que dans les plaines la nuit. Vous pourrez le retrouver aussi le jour, sauf qu'il n'apparaîtra pas. Ah bah si quelqu'un a déjà chargé le chunk où vous étiez juste avant et qui c'était la nuit. Au début du jeu, quand vous commencez votre aventure, fuyez, mettez des blocs au-dessus. Ça prendra trop de temps à le tuer, donc mettez-vous sur des armes. Fermez derrière vous avec des blocs de stone en cave. Mais protégez-vous de ce monstre. Bon, il ne battra pas le Guardian Golem. Ni d'autres boss. Mais au début du jeu, comme il spawn naturellement, c'est un grand danger. Maintenant, vous savez un peu les particularités du zombie avancé sur son arrivée prochaine en V3. Il devrait arriver dans la V3, qui commence le 31 octobre. Donc, voilà, maintenant vous savez tout. À une prochaine fois.